Ce que vous voyez ici, c'est ce que j'appelle les modules. Les modules sont une surface photocopiée où il y a une présentation, un étalement de lettres qui sont déjà travaillées, qui ont été pulvérisées, déstructurées, agrandies, réduites, etc. Par exemple, ceci n'est pas une empreinte digitale. Ceci est la réduction d'un texte d'imprimerie de 5-6 lignes. Ceci, par exemple, c'est une page de texte d'un journal qui a été une fois agrandi, réduit, noirci, éclairé. Ça va de la présence à une certaine absence des signes. On peut dire que je me sers d'une palette qui va du noir foncé au blanc, blanc, blanc. Entre ces deux couleurs, il y a des centaines, des milliers de possibilités de lumière, de signaux, d'étalement, d'agencement de la lettre. Ce que vous voyez là, pour moi, c'est important parce que je touche là à un domaine qui m'est cher, mais qui est aussi inquiétant. C'est l'infini. Il n'y a de fin nulle part. Moi, en tous les cas, dans mon travail, j'en vois pas. Que ça sèche et ça va faire quelque chose qui est issu de ceci. Et ça va reprendre sa couleur noire. Le module que je fabrique, c'est un fragment finalement qui va te multiplier. C'est un exercice que j'aime bien. Voilà. Il faut attendre que ça sèche pour que ça reprenne des vraies couleurs et il y aura une lumière, une composition différente. Je suis né dans une famille juive bourgeoise en Allemagne et j'ai eu une enfance à la fois heureuse et malheureuse. Le bonheur, c'était, avec le recul aujourd'hui, quand je me remémore cette époque, c'était les parents, c'était la famille, la grand-mère, les oncles, les tantes. Le malheur, c'était que dès que je quittais ce milieu qui me protégeait, qui me rendait joyeux, avec innocence, dès que je quittais ce lieu, j'étais désigné comme un petit juif. C'est-à-dire qu'il y avait à l'intérieur de l'amour et de l'hostilité à l'extérieur. En 1930, j'avais 5 ans dans l'Allemagne nazie. Non, pas encore nazie, pré-nazie. L'Allemagne nazie, c'était en 1933. Mais n'empêche que la pression antisémite était très forte. Et jusqu'en 1939, j'ai vécu dans cette Allemagne de la haine. Mes parents étaient, avec le recul, je le comprends aujourd'hui, des gens
extraordinaires en ce sens qu'ils ont sacrifié leur propre vie au profit de l'existence, de la continuité de leurs enfants. Mon frère a été envoyé en Israël et moi en 1939, c'est-à-dire 10 mois avant la guerre. Mes parents m'ont envoyé en France chez un oncle qui m'a reçu. Et ce fut, après le cordon ombilical, la plus grande séparation. J'ai jamais pu les revoir. Quand j'ai quitté l'Allemagne, je ne parlais pas un seul mot français. Parler ma langue maternelle pour me déplacer, pour prendre contact, pour je ne sais pas quoi, c'était pas bien vu du tout. Donc il fallait que je ferme ma gueule. Je ne pouvais ni parler dans ma langue maternelle et je ne savais pas encore parler la langue de mon pays d'adoption. Ça, c'était assez dur parce que du point de vue communicatif, j'étais nulle part. Au fur et à mesure, la langue française, je l'ai apprise par les oreilles et l'écriture par les yeux. Par rapport au travail que je fais de peintre, c'est que mon travail de la lettre est un travail muet, inaudible, et ce choix ou cette unique possibilité pouvait avoir comme origine cette perturbation de la langue maternelle à un âge où on devrait s'amuser, avoir plein d'amis, être un vrai enfant. Ça, c'est un travail qui a été fait pour être installé à l'église Saint-Matthäus à Berlin. C'est un travail qui a à voir avec l'écriture, avec le silence, avec une certaine gravité sans doute. J'avais envie que ce soit en plein centre de l'église, au-dessus de l'autel, accompagné de chaque côté de bandeaux qui flottent et qui entourent ce travail. En principe, c'est destiné à être comme ça. Les autres panneaux seront de chaque côté de cette église. Il y a ici les différentes époques de mon travail. Ici, c'est une toile importante pour moi parce que c'était la dernière toile avec des pinceaux et des couleurs. C'est après cette toile-là que j'ai arrêté de me servir d'un pinceau et de couleurs, de tubes de couleurs. C'est peut-être prétentieux, mais je croyais, et je le crois encore, avoir fait le tour de mes possibilités pour ce genre de travail. Il y a eu une rupture à ce moment-là totale. Après ça, je me suis approprié le papier écrit, imprimé plutôt. Et la première chose, enfin, une des premières choses que j'ai faites, c'est cette grande toile là derrière qui est faite de bouts de journaux qui s'étalent d'un bout à l'autre. Ça, c'était la dernière et la première, on peut dire. Le passage s'est fait de là à là, comme ça. Voilà. Et puis, un jour, arrive la brique.
La brique, c'est le départ du travail actuel. C'est l'événement qui a déclenché la, cette activité, cette nouvelle activité au sein de la peinture. Et je crois que ça vient de plus loin encore, parce que moi, j'ai longtemps pratiqué le métier de maquettiste, de graphiste dans l'édition, et j'ai manipulé les caractères, je connais leur grosseur, j'aimais beaucoup les typographies, j'étais très très familier avec, avec la lettre et l'écrit. Georges Perec. La combinaison d'une trentaine de signes typographiques est capable de créer des millions de messages. Ce travail, je l'ai fait pour rendre hommage à Georges Perec. J'étais très impressionné par son livre « La disparition ». Il a supprimé la lettre « E » de cet ouvrage. Un jour, j'ai pensé que je pouvais rattraper les lettres dont il ne voulait pas. J'ai effectivement fait un travail de recherche sur la lettre E. Je veux dire que dans mon esprit, je voulais rattraper tout ce dont il ne voulait pas, pour ces raisons qui lui sont propres, en me disant que rien ne peut être perdu. On a beau jeter, c'est rattrapé à un moment ou un autre par les événements, par une personne. Il y a ici l'idée des lignes du livre, et à l'intérieur, on peut apercevoir la présence de la lettre E, qui effectivement s'évapore, mais qui reste présente.